Bonjour à tous, je suis Sylvia Torres de l'équipe internationale de Makin Lutsuri Academy. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous donner quelques conseils sur les outils digitaux pour le marketing de lutte. C'est parti! D'abord, une petite introduction. Dans l'environnement digital actuel en constante évolution, les marques de lutte reconnaissent de plus en plus l'immense potentiel du marketing digital pour interagir avec leur public cible, développer une affinité avec leur marque et stimuler leur vente. Cette vidéo analysera les caractéristiques distinctives du marketing digital dans le marché des articles de lutte. Nous examinerons également les outils efficaces du marketing virtuel que les marques de lutte utilisent pour attirer leur public raffiné. Les métavers, les influenceurs virtuels et les identités digitales dans les métavers. Les concepts de lutte évoluent et transforment notre monde. Ce changement est caractérisé par un intérêt croissant pour l'intégration parfaite des éléments physiques et digitaux, ce qui se traduit par une expérience de réalité virtuelle plus dynamique et multidimensionnelle. Nouvelle communication. Mais sûr que les générations les plus jeunes et les consommateurs potentiels des produits de lutte sont ainsi, continuent de jouer aux jeux vidéo, il y a une opportunité idéale pour l'émergence des influenceurs virtuels. Les métavers offrent un terrain fertile pour que ces influenceurs prospèrent et augmentent leur portée. De plus, les marques de lutte peuvent exploiter les métavers pour donner du pouvoir aux personnes au-delà de leur apparence physique ou de leurs interactions en personne. Cela offre des possibilités nouvelles et passionnantes pour l'expression de l'identité personnelle. Adopter les contenus vidéo. Qu'il s'agisse de films, de marques de haute qualité ou des vidéos à 360 degrés immersives de produits, les marques de lutte utilisent le contenu vidéo pour attirer le public, susciter des émotions et offrir une expérience immersive qui s'aligne sur l'esprit de leur marque. La réalité virtuelle. Le vidéo marketing a gagné en popularité dans l'environnement digital. Les marques de lutte exploitent les contenus vidéo pour raconter des histoires de marques captivantes, présenter des détails des produits et offrir des expériences virtuelles. La réalité augmentée. La réalité augmentée est employée pour des expériences d'essai virtuelles, ce qui permet aux clients de visualiser comment les produits s'adaptent ou se présentent avant de les acheter, améliorant donc la confiance et réduisant les retours. L'omnicanal, le nouveau marketing. Les marques de luxe reconnaissent l'importance de sélectionner un parcours client fluide à travers des points de contact digitaux depuis la première approche jusqu'à l'après-vente. Elles visent à créer une expérience cohésive et immersive depuis la première étape de découverte de la marque jusqu'à l'achat final. Cela implique d'optimiser leur site web pour les appareils mobiles, d'accélérer les processus de paiement et aussi de fournir un service client exceptionnel à travers plusieurs canaux digitaux dans les points de vente en ligne ou dans les boutiques. Pour conclure, les marques de luxe peuvent montrer efficacement leur exclusivité, leur artisanat et leur héritage dans les domaines digitaux en utilisant des stratégies innovantes tels que les marketing d'influence avec des influenceurs digitaux, les expériences 3D personnalisées, les campagnes attrayantes sur les réseaux sociaux et les technologies d'avant-garde comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez regarder des autres vidéos sur des sujets liés, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur s'abonner et puis sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous et à la prochaine vidéo.